Ravi de vous retrouver pour ce premier épisode du mercredi sur mon let's play Crusader Kings 2 avec l'Empire de Tartarie. Alors, je dis ça, j'ai une révolte qui vient de me... Ouais, elle est là. Là, ça tombe bien, là j'ai quand même une petite armée, je vais y aller. Je suis dans une guerre qui ne devrait pas poser trop de problèmes, a priori, contre ce petit duché. Donc je peux me contenter de mon escorte ici. Bon, il a un allié, mais ouais, ça devrait bien se passer. Oh, pourquoi il a changé de couleur là? J'aime pas trop ça. Peut-être pas de raison spéciale. Oh merde, disons, ils ont eu des renforts. Donc ça va piquer. Ça va peut-être passer, mais... En tout cas, c'est très très serré. Ouais, c'est passé. Ah, là, j'ai eu chaud quand même. Je pensais pas qu'ils avaient autant de troupes. Ah, deuxième révolte. Merde, ils en ont encore une autre série là de 7000. Ah, bah finalement, ça commence à être. Un peu trop pour moi là. Non, faut pas que je passe par là, sérieux. Voilà, par là. Je vais lever un peu plus de troupes. Non, mais pourquoi il va absolument me faire passer sur la révolte? Non, je vais enlever un peu plus encore. Sérieux, il va absolument que je passe par cette province. Ah, c'est bon. Bon, là, 10 000, ça fera l'affaire. Bon, sauf qu'il va m'échapper, bien sûr, largement même. Alors là, qu'est-ce qu'il essaye de faire au juste? Il va à Darum. Ok, je vais quand même attendre des renforts parce que là... Je suis pas trop confiant. Alors, faut que je surveille ici. août, 14 août. Donc là, il va pas m'échapper. Ok, ça aurait été une courte révolte. Eux, ils vont descendre. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, ils vont s'arrêter là. Bah, je vais continuer le siège pendant que j'y suis et peut-être que je bougerai une fois que le siège sera terminé. Ah, encore une révolte. Ça fait 3. C'est pas du tout chiant à part ça. Bon, il y en a au moins une qui s'est rendue. Je sais pas laquelle c'est d'ailleurs. J'ai pas trop fait gaffe. Oui, c'était bien celle-là. D'accord. Je trouvais que le blason ressemblait pas trop, mais si, si. Ah, j'ai quand même énormément. Tiens, bah, celle-là aussi est finie. J'ai quand même énormément d'attrition, je trouve. Ce mec là, je perds beaucoup d'hommes là. À chaque fois, je vois mon nombre d'hommes qui chute et le siège qui avance pas vraiment. Ouais, j'ai 0,1% d'attrition là. Autant dire que pour l'instant, ça va. Allez, 16 000 hommes, faut que le siège se finisse. Il est pas rapide, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va falloir que je sois patient sur ce coup-là. Ok, ça c'est mon fils.
Allez, sérieux. Voilà. Maintenant, je peux attaquer 15, 18, 16, c'est pas trop mal. Je pourrais prendre la tête de mon armée. Si je pouvais faire quelques stats intéressantes. Encore une révolte, hein. Ce qui est bien, c'est qu'elle est juste à côté. De ce point de vue-là, j'ai pas à me plaindre. Hein. Ok, 87. Toujours pas de paix possible. C'est qui lui? Ça doit être un révolté, ça. Maintenant, j'ai dit que je les bannissais. Ça fera moins de monde à ma cour, des gens qui sont pas de ma culture en plus. Donc forcément, c'est un peu pénible. Ah là, faut que je me méfie. Hein. Ah, ce sont les ilotes qui vont peut-être m'aider. Ouais, j'ai pas envie de les appeler, ils ont l'air de se battre sans que je les appelle. Et là, ils vont pas y arriver par contre, trop tard. Et là, ils vont y arriver. Je vais aller les aider quand même. Même si j'arrive peut-être trop tard. 98, sérieux. Peut-être 98, un dernier petit combat contre les 700 hommes. Voilà, ça me met à 100. Ok, parfait. Bon, bah j'ai deux révoltes à mener, à mater. Celle-là, c'est comme si c'était fait. J'ai un duché quasiment. Je crois que c'est un duché entier. Hein. Ouais. Pas tout à fait. Il m'en manquera un petit bout là. Est-ce que j'ai du monde à ma cour? Ça, c'est pas un franc. Lui, il a pas de territoire. Ah oui, c'est pour ça que je faisais la guerre aussi. Il faut que je fasse gaffe. D'un épisode à l'autre, j'oublie un peu parfois. C'est pour aussi donner des terres à tous mes fils. Et accessoirement les faire duc, je pense, bien sûr. Ok. Il m'en reste un à donner. Ouais, c'est pour ça, là, j'ai beaucoup d'étrangers à ma cour. Ils sont tous convertis parce que, bah, ils ont pas trop eu le choix. Mais, il n'empêche que je peux pas leur donner de terre, c'est pénible. Éduquer un enfant. J'aimerais bien lui faire avoir, ombre insaisissable, ouais. Alors, lui, il m'aime pas trop. C'est quand même dommage. Ils sont tous les deux ambitieux là, c'est quoi ça? Ah, pardon. Non, lui il est pas ambitieux, c'est juste qu'il m'aime pas trop, mais je vais lui donner à lui. S'il est pas ambitieux, ça va. C'est mon fils, hein, je rêve pas, ouais. Ok, bon, 83, c'est satisfaisant. Maintenant on va s'occuper de ces révoltes, peut-être finir celle-là d'abord. Ma fille. Il y a des ducs à marier, mais ils sont tous de ma famille. Ou des comtes. Alors, matrilinéaire, c'est pareil, hein, ils sont tous de ma famille, forcément. Je pourrais aller chercher en France par exemple, mais le problème c'est que la France est déjà tellement réduite. Elle représente plus grand chose. Ok, cette révolte là, c'est comme si c'était fait. Et zut, à peine une de réglée, il y en a une autre qui apparaît. Bannir. Lui,
Lui, je sais pas qui c'est. C'est un Tengri, donc a priori, bannir. Alors, il y a une autre rébellion, je sais pas où elle est. Des catholiques. Des Karaïtes. Ah, en plus, c'est des Karaïtes, j'aime pas ça. Putain, si je les vois pas. Ça se trouve, ils sont à l'autre bout, et voilà. Bon. Restons zen, ils sont très très loin. Il va falloir traverser la moitié de mon empire, voire un peu plus. Bannir. Ok. Alors je vais être pas mal en autorité quand même, j'arrête pas de faire des guerres. Rebelle infidèle écrasé, ça me donne que 6 d'autorité, ouais, c'est très long. Non, ce qu'il me faudrait, c'est un autre lieu saint. Ouais, ça, je m'en fous. Il est où, lui? C'est qui? Un parent plus ou moins éloigné, quand même? Et il essaye de mener une... C'est un aventurier. Bon, bah, on va essayer de le tuer. Je pense qu'il y aura quand même quelques personnes pour me suivre. Non, non, pas vraiment, en fait. Merde. Bon, bah, je crois qu'il va falloir se faire... économiser de l'argent et puis espérer pour qu'elle se fasse pas. Je vais passer en vitesse maximum de toute façon. Et les Karaïtes commencent à m'énerver. C'est là les Karaïtes, ouais, il y en a là, il y en a là. Tiens, faut que je change mon rabbin de place. Je vais le mettre là. Je vais en profiter pour faire un petit point sur les royaumes. Mais là, comme j'ai fait encore pas mal de conquêtes, je pense que je vais garder ma première place, hein, largement. La Lotharingie est un peu à l'arrêt, je trouve. Elle ne fait plus rien du tout. Là, le roi très catholique, là, pas très performant. C'est le moins qu'on puisse dire. Merde. Ça fait un deuxième soulèvement, ça dépend où il est. Ah bah, j'ai rêvé ou quoi? J'ai cru... Ah non, ils sont juste ajoutés. Bon, franchement, ils sont pas plus dangereux que ça. Ils sont que 8005. Ça va être très vite réglé, c'est pas un souci. Le souci, c'est juste d'y aller, quoi. Un en diplomatie. Du coup, ça doit me repasser. Ouais, je suis à 6. C'est pas trop mal. Par rapport à mon précédent qui était à 0, hein, donc voilà, c'est beaucoup mieux. Ok. Allez, c'est parti. Il n'a pas le temps de fuir en plus, pour une fois. Voilà, ça aurait été vite réglé. Et lui, il doit avoir de l'argent, lui. Un petit peu. Ouais, il a 54. C'est pas génial. Ce sera toujours ça de prix, mais c'est pas exceptionnel, on va dire. Ok, c'est réglé. Bannir. Ok, 531 pièces d'or. Il faut que j'économise, hein, parce que j'ai cette menace d'aventurier qui sera bientôt là, d'ailleurs, donc ça va pas être très long. Emprisonné. Ah bon, il s'est échappé.
Ça fait ça de moins à ma cour, à me saouler. Emprisonner. Bannir. Ah, il a 139 pièces d'or, lui. Tout ça, c'est des ex-révoltés. Emprisonner. Il a pas de pièces d'or, quasiment. Bannir. Et je suis là, emprisonné. Il a pas de pièces d'or non plus, mais tant pis, c'est juste pour me débarrasser de lui. Un en diplomatie, ah bah décidément. Ah voilà, j'ai atteint les 8. J'ai plus d'ambition, alors il a un avantage, c'est qu'il est super régulier. 9-9-9-8-8. Mais bon, il a quand même aucune stat qui se dégage, c'est vraiment tout au ras des pâquerettes, enfin tout moyen. Alors pourquoi eux? C'est lesquels ça? Contre nous pour Tartarie. Oh, il y en a tellement un paquet que... Ouais, celle-là, elle rigole pas. Hein. Je vais essayer de convaincre quelques ducs. Pourquoi lui? Je sais pas pourquoi lui. Il est là. Est-ce que je suis au maximum? Je suis au maximum de mes troupes. Là, je suis pas au maximum. C'est bizarre, le chiffre augmente pas. Peut-être qu'il se met pas à jour. Ouais, c'est ça, il se met pas à jour. À chaque fois, il faut changer de page. Ouais. Bon, ça, j'aime pas trop ça, j'avoue. La population de Damas a été convertie. Ah bah ça c'est cool, c'est un lieu saint en plus, ça peut servir. C'est quelque part par là. Je sais plus où c'est. C'est là, pardon. Bon, ça c'est bien. Question technologie, je pense que j'ai rien à acheter. Ah si, je peux finir coutume locale. C'est opinion du château, plus 6, ouais, pourquoi pas. Je trouve que mon conseiller, ça fait longtemps qu'il a pas réussi une seule mission. Et merde, je suis mort. Ouais, c'était pas prévu ça, hein. Il est un peu jeune. Il a pas de fils encore. Bon, sa femme a que 19 ans. Et celle-là, je la voulais parce qu'elle avait des stats de folie quand même. Elle a quasiment tout au-dessus de 10. C'est rare. Et moi, je suis pas trop mal. Un peu moins régulier que l'autre, que le précédent. Mais je suis bien en diplomatie, par exemple. Ça va pouvoir aider. Si j'ai un début de règne difficile, ça va pouvoir peut-être aider. Ce que je pourrais faire déjà, c'est créer mon royaume. Ah, j'ai pas assez de piété. Alors, j'ai un trop grand royaume déjà, donc ça c'est pas très grave. Je vais donner ce territoire là. J'ai sûrement un franc qui traîne. Lui il est sûrement pas franc. En plus, il est pas de la bonne religion. Je sais pas ce qu'il fout chez moi. Alors, déjà, le tournoi. Ça c'est une chose. Un saint homme, ce sera Aubry. Alors, je suis classé par ordre alphabétique. Aubry, voilà. Non, c'est pas lui. Je regarde pas la bonne page. Ok, Aubry, j'ai dit que je lui donnais Sibir, il me semble. Ouais, c'est ça. Ok. Et lui. Je vais lui transférer Sibri, évidemment. Sibir, pardon. Ok, donc déjà ça me met à 7 sur 7, c'est mieux.
Maréchal. Le rabbin, je ne vais pas garder celui-là. Hein. Je dois en avoir un meilleur, voilà. Je vais le mettre ici. Bon, j'ai toujours cette faction qui est super élevée. Ce que je vais faire déjà. Regardez. Ceux-là, je pense le pouvoir les faire passer dans le positif assez rapidement. Donc je vais d'abord m'occuper de celui-là. Hop, technologie. Je vais retourner sur la capitale. Voilà. Alors le tournoi, j'espère que je vais avoir un petit peu de temps libre avant d'avoir une guerre. Juste le temps d'organiser mon tournoi, ce serait cool. Je déteste cet événement. À chaque fois, voilà. Il n'y en a aucune des deux qui est... non, c'est pas une hérétique, je m'en fous. Bon. Voilà. L'heure du tournoi. Impératrice Mélisandre, Samourache, Empereur. Oui, ça c'est bon. Alors, mon oncle, mort tragiquement. Oh, comme c'est bête. De toute façon, il avait des héritiers. Ouais, c'est bon. Blessé, ouais, on s'en fout. Alors, après des années de planification, Lothaire forme une armée d'exilés, de mercenaires. Ah oui, bonne chance, je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais... Alors le vainqueur c'est un de mes parents, le comte d'Amida, qui est pas mon vassal direct, donc à la rigueur je m'en fous un peu. Encore un autre parent, c'est pareil, c'est pas mon vassal direct. Et lui c'est le troisième. Et la fête est bientôt finie. Ok. Ça a passé pas mal. Il y a quand même tous ces gens dans les négatifs là. De limite en plus, c'est ça qui est bête. Je sais pas leur envoyer un cadeau aux 183 pièces d'or, hein, c'est un peu la folie. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas grand chose à faire, j'avoue. Ah, je peux créer mon royaume là. Tori. Ça me rapporte 400 de prestige. Bon, évidemment, les ducs qui sont là vont pas forcément aimer puisqu'ils vont vouloir le château, le royaume. Mais l'avantage, c'est que voilà, tout cela, ça me les passe dans le positif. Ça fait ça de moins. J'ai aucun titre honorifique à donner, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On en est toujours au même point là. Ouais. Ce que je vais quand même commencer à faire à un moment donné, c'est de distribuer mes royaumes. Peut-être que maintenant ce serait le bon moment. Ah, si je pouvais avoir un héritier aussi, parce que je pense que le fait de ne pas avoir un héritier par exemple, ça doit me coûter cher. Lui non, bizarrement. Pourtant, ne pas avoir d'héritier... Ouais, mais si j'ai un héritier mâle, alors ça doit suffire. Mon demi-frère, là. Ouais, ça doit suffire. Parce que quand on a un héritier et c'est une fille, on a quand même un malus. Mais là, c'est un mâle. C'est peut-être bon. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, bon, bah de toute façon, là, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite de ce Let's Play.